Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Vous avez bien dormi. Bon, mardi à tout le monde. Abonnez-vous dans ma page Ndolo Moulema bis. Abonnez-vous sur Star Ndolo Moulema. Et abonnez-vous sur Ndolo Moulema pour ne pas rater les bonnes choses. Ok, ma mère Mula a encore fait le post encore. Oh, Marius, vraiment, je ne sais même pas ce que je peux dire de toi. Tu sais quoi sur moi, en dehors du fait que nous étions tous dans un même camp? Même mon visage, tu ne connaissais pas. Tu prends l'une de mes photos sur la toile et tu l'envoies à Mathé. Je veux savoir, tu as inventé quoi sur moi, avec tes yeux qui sortent de l'orbite? Ouais, ma même Mulassie, un papa congossa comme toi. Retire mon nom dans ta gueule, compris? Ouais, ma mère Mula. Ah, ok. Tu as fini avec Waros Marius. Tu as fini avec Waros Marius. Je n'ai pas dit Os. Pourquoi vous l'appelez Os Marius? C'est son nom. Os. Franchement, je ne comprends même plus rien. Facebook, c'est vraiment pas le voir bébé Walaï. C'est vraiment pour le voir, bébé. Bon, ma bonne, j'ai été comment tu passes d'abord et moi, je partage d'abord. Maman, il fait frais. Fait froid. Faut couvrez-vous, hein, parce que la façon dont il y a le rhume dehors là. Il y a trop de rhume dehors. Aïe, 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 aïe. Le rhume. Oh. Le rhume, il y a le rhume dehors jusqu'à ce moment. Il y a le rhume dehors. Comment tu vas, Maluk Ben? Maluk d'amour, Maluk de cœur, comment tu vas? Bon, les amis, bon, voilà, je pars mettre long, je pars rester longtemps. Voilà, parce que je commence le boulot cet après-midi. Je finis à 20h. Donc là, je fais un petit direct de 30 minutes. Voilà, donc partager, partager, partager. Moi, j'ai à partager déjà, comme on dit, la bonne charité commence par soi-même déjà d'abord. Ouais, Malik Bell. Malik Bell, on dit Lux, Lux Bell. Les gens aiment bien prononcer le S là, la Lux Bell. Je sais, ma, je sais même. Ah, ok, je sais. Donc, c'était juste pour. Voilà, je voulais commencer d'abord, premièrement, d'abord. Je vois, c'est vrai que je rate beaucoup de Japap. C'est ça qu'on dit souvent, quand on est occupé, on rate beaucoup de choses. Du coup, vous voyez les coupures, je n'en fais plus trop en ce moment. Parce que dans ma page, j'ai des petits soucis dans ma page. Ma page est toujours rouge. Malgré tous les efforts que j'essaie de faire, de mettre mes contenus, je mets mes contenus, ma page est toujours rouge. Donc, du coup, je ne peux pas, comment dire, on me demande de continuer à. Voilà. Ah! Mon beau, je te jure, tu donnes envie grave. Aïe, 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 aïe. Ouais, donc je crois qu'elle dit justement que en ce moment, ma page est toujours rouge, malgré que je mets mes contenus et tout ça là. Voilà quoi, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si ça va revenir normalement ou pas. Je n'ai aucune idée. En attendant, moi je continue à faire mes posts et tout pour les gens qui m'apprécient, les gens qui m'aiment quoi. Bonjour ma Juliette. Comment tu vas, ma Juliette, la Gabonaise? Comment tu vas, ma Juliette? Donc, il y a ça. Et je voulais aussi dire, il y a quoi encore? Je continue à faire les efforts jusqu'à qu'ils remettent ma page normale. Hein. Parce qu'ils disaient que j'ai mis les contenus. Ils ont signalé parce que je mettais les contenus des gens. Maintenant, j'ai arrêté avec les contenus. D'où je ne mets plus, je ne mets plus, je ne poste plus les gens dans ma page pour le moment. En attendant qu'ils me remettent ma page et tout, que les publicités en stream reviennent et les publicités en direct reviennent. Pour le moment, je ne pourrais pas mettre quelqu'un dans ma page. C'est pour ça qu'il y a les deux autres pages, la Star Ndolo Moulema et Ndolo Moulema.
que je mets, j'essaie de mettre tout le monde là-bas dedans. C'est pour ça que même l'envie de faire les coupures, couper là, j'ai plus trop envie, quoi. Voilà, parce que tu vas couper, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien qui sort là-dedans, quoi, en fait. Au moins, quand tu coupes, tu sais que tu recordes quelque chose, mais là, il n'y a rien. Donc, pour moi, je vais couper, je vais mettre dans ma page. Ça va rien m'apporter, ça va rien me donner comme sous. Voilà. Donc, c'est ça que je disais justement que j'ai posté un tour là-bas de Ngossa. Mais j'ai l'impression que j'ai beau dire que quand vous voyez que vous êtes à l'encontre de ce que je suis en train de faire, si vous n'aimez pas ce que je suis en train de faire, ne venez pas émettre des. Je me répète tous les jours, je me répète tous les jours, et je bloque tous les jours, et je bloque tous les jours. Parce que je ne donne plus le lait. Avant, je laissais, je dis, oh, c'est pas grave. Avant, je laissais, je dis, j'ai pas besoin de vos critiques. J'ai pas besoin, surtout quand vous venez faire vos petites concurrences là, vous pouvez vous critiquer, oui, t'as raison, machin. Mais quand vous voulez déjà vouloir mettre, vouloir faire ce qu'il y a à mon encontre, moi je vous bloque et ça ne chauffe pas, quoi. Bonjour, Zinel. C'est naturel. Mes cheveux sont naturels, ma. Bah non, j'ai pas mis les teintures, c'est naturel. C'est naturel, mes cheveux. Donc, c'est ça que je voulais vous dire, justement. Donc, je voulais un peu parler un peu de Ngossa rapidement avant de... Comment tu vois ma mère nue, là? Mais tu as fini avec Osmarius. Osmarius. Ouais. Il dit que Madana Chou, comment tu vas? Ouais, ma mère Mula. Tu as fini avec un tour. Tu as fini avec un tour, Walaï. Ouais. Nazambi. Merci, merci. Alors, je voulais parler tout simplement, je voulais un peu rapidement parler un peu de Ngossa rapidement. Ngossa, je suis en train de voir tout ce que tu es en train de faire sur moi en ce moment-là. Merci, Zinel. Je suis en train de voir tout ce que tu es en train de faire sur moi là en ce moment. Et je vois beaucoup de gens qui viennent me voir. Oui, ne retourne plus sur Ngossa. Voilà, il y a beaucoup de gens en ce moment. Et t'es dit que je vais lire ton poste là. Ma mère, Mula, viens lire ton poste là. Ouais, ma Black Beauty, je sais que ça va déjà un peu haut, parce que ma Black Beauty, elle est enrhumée et tout là. Ma Catherine Chou, je sais qu'elle est toujours en santé, ma Catherine Chou. Eh, ma sucre salée, si tu es là, ça veut dire que le steak est là, le steak est debout, le steak est debout. Gossa a un peu d'argent, elle travaille sa page, exactement. Voilà. Ma sucre salée, quand tu es déjà là, ça veut dire que le steak est déjà là. Oui, le steak est en place. Oui, ma sucre salée. Alors, je voulais dire un truc sur Ngossa, par rapport à Ngossa. Et que, Ngossa, je vois tous tes appels en ce moment, même comme tu le fais dans la moquerie, même comme tu le fais dans les, je ne sais pas ce qui t'anime en ce moment. C'est comme ça que vous êtes toujours. Oh, laisse Ngossa. Oh, comment dire? Elle ne te prononce plus. Pourquoi tu es toujours sur elle? Ma, c'est comment non? Naweti, non? Naweti? Quand je suis calme comme ça, tu viens toujours me provoquer. Oh oui, comment dire, tu as dit quoi encore là exactement là? Que oui, j'ai travaillé pour toi pendant 10, pendant 8 ans. Oui, pendant 8 ans et que toi tu as travaillé pour moi pendant 10 ans et que tu as m'aidé à tirer les valises pour aller chercher l'argent. Mais n'est pas tu es à l'aise en ce moment, non? N'est pas tu es bien? Tu as vendu ton terrain, tu es à l'aise au Cameroun. Comment tu vois ma BS Kenzi Dika? Eh, le steak est debout, oh. Quand il voit ma sucre salée, ma Kenzi Dika, je sais que, alors là, ma Kenzi Dika, je sais que, oh, le steak est debout. Comment tu vas, ma BS? Ma BS Chou, comment tu vas? Eke, Madana, tu ris alors quoi déjà comme ça alors? Donc je vois un peu comment tu es en train de faire les appels de bas. Tantôt tu es sérieux, tantôt tu te moques de moi. Moi je vous comprends pas. Moi je suis pas Borosangi, hein. Moi je suis pas Borosangi qui s'est mis sur toi pendant des années en train de t'insulter et tout. Et quand même quand tu étais encore avec ta copine, elle ne te lâchait pas un gosse. C'est elle qui nous a ramené le gosse. Le gosse. Voilà. Donc si tu te réconcilies avec elle, moi je suis pas dans vos bêtises, je suis pas dans vos pépettes là, hein. Parce que si vraiment, tu tenais vraiment à moi, tu serais pas allé aussi loin que tu es parti, quoi. Parce que moi, je suis pas allé loin avec toi. Comme toi, tu es parti avec moi. Donc, quand tu fais tes petites pète-pètes là, comment tu vas, ma Georgette Chou? Quand tu fais tes pète-pètes là,
Fais ça tranquillement. Eh, hey, ma jade chou, comment tu as ma jade chou? Yo, le 7 est là. Ma, hey, ma sucre salée est là. Ma Kenzie dit qu'elle est là. Oh, jade est là. Oh, le 7 est debout. Maman, le 7 est debout. Je sais que le 7 est debout. Ma, c'est que on a les heures décalées là. Et je suis que là-bas, c'est le matin. Je suis que là-bas, c'est le matin. Merci, ma Marino. Merci. Merci, ma Georgette, pour tes cœurs. Donc, Ngosa, je ne veux pas t'insulter aujourd'hui. Je ne veux pas, je veux pas. Parce que mon mari déjà n'aime pas déjà croire que quand il parle même de toi, ça l'énerve déjà premièrement. Ma Rosa Chou, eh, ma Rosa qu'on a bloqué. Ma bloqué, ma. Et dit qu'elle ma Rosa belle. Eh, à cause de toi, Ndolo, on m'a bloqué. Voilà tes gros cœurs comme ça, pourquoi on te bloque, Pima? Tu auras les gros cœurs de ce côté-là ici. Là. Tout le monde là, vous aurez des gros cœurs ici là. Ah bah voilà, tu vois, 8 heures. C'est ça quand j'ai vu ma sucre salée, j'avais dit que oh, le state est là debout. Je vois encore ma Kézi dit qu'il encore, il dit que oh, le state est là. Donc, il est 8 heures là-bas chez vous. Merci, ma Diana, pour tes cœurs. Donc, Ngosa, s'il te plaît, essaie un peu de laisser un peu mon nom tranquille, même si tu es dans, même si tu es dans l'amusement ou tu es dans quoi. Moi, moi, franchement, je vais te dire la vérité, Ngosa. Si moi, j'étais à Rouen, moi, je t'aurais déjà arrêté déjà depuis. Sincèrement, parce que moi je vois ma soeur Tatiana en train de tergiverser là. Il faut qu'elle tergiverse. Avec Catherine Chou, tu n'as vraiment pas les vrais problèmes avec Catherine Chou. Si tu avais vraiment les vrais problèmes avec Catherine Chou, elle t'aurait déjà arrêté depuis que tu es là-bas là. Comment tu vas, Anderson? Merci pour tes cœurs, Naïs. Hein? Si moi j'étais à Rouen, moi j'aurais, il t'aurait déjà arrêté Ngosa. Il t'aurait déjà arrêté la bagarre. Wallahi. Il t'aurait déjà arrêté la bagarre. Moi je trouve que les gens qui sont à Rouen là, ils sont en train de s'amuser avec toi. Parce qu'il y a un moment, il faut qu'on ferme ta bouche là. Même quand on dorme, même si on te dorme sur la bouche là, que ça se fait même pas le nécessaire, on te donne une bosse. Tu passes même un peu quelques jours à l'hôpital un peu. Rien que ça va vous fermer ça, c'est normal là. Moi, je te dis que quand tu viens à Paris, donne-moi rendez-vous, Ngosa. Donne-moi rendez-vous où tu me dis exactement où tu es. Je t'assure que je vais venir. Je t'assure que je vais venir. Moi, je ne vais pas me dépasser. Je t'assure. Moi, je dis qu'il y a un moment où tu vas me pousser tes mains à bout. Je serais obligé de venir à Rouen. Et je vais me justifier par rapport à pourquoi je suis venu à Rouen. Je t'attends à ton adresse quand tu descends en bas. Je te jure, Ngosa, moi j'ai fini avec toi. Tes petits bêtes que tu es en train de faire là, tes petites conneries que tu es en train de faire là, tu fais genre, tu m'apprécies, genre, tu le descends. Tu crois que si vraiment était ta fille, tu à cause de toi là, que Ndale, Emile Ndale vient s'asseoir pour me manquer de respect. C'est à cause de toi là, comme tu as sorti les choses sur le téléphone là, c'est à cause de ça justement que Ndale vient me manquer de respect. D'où maintenant je suis devenu la risée de Facebook. Dès que j'ouvre ma bouche pimentière, dès que j'ouvre ma bouche phobie, et tu as encore le kilo de prononcer encore mon nom dans tes pépettes. Tu as encore le courage, même dans les blagues, j'ai même pas vu de blagues avec toi. Je t'assure, ma Rosa, je n'ai même pas vu de blagues avec toi, parce que tu me dis que là, tu me vois là. Hey! Moi, j'ai seulement envie de te détruire seulement où tu es. J'ai seulement envie de te détruire. Flore la douce, même son ironie là, ça ne me plaît pas du tout. Quand elle met son ironie en disant qu'on va aller tirer la valise, tu vas me donner ton argent. Même l'ironie là, d'abord ma mère a dit que donne le rendez-vous au Cameroun. Ma mère a dit que dis-lui où tu es. Elle vient. Voilà que t'es averti. Ma mère a dit, dis-lui où tu es, elle va venir. Il part où? Il part où? La reine-mère bauditoise, là. Reine-mère, ça ne te servira à rien. Respecte ton couple. Ma, pardon, hein. Quand Ngosa venait me mettre, c'est vrai que j'étais en couple, non? Quand j'ai commencé ma guéguerre ici, j'étais pas en couple. Elle ne veut pas me donner les leçons de morale ici. Hein? C'est les leçons de morale que je ne supporte pas. Pardon, si tu commentes encore sur ce style-là, moi, je te bloque et ça ne chauffe pas. Non! Je ne suis pas en train de lui manquer de respect ici là. Je ne suis pas en train de l'insulter. Je suis en train de lui dire qu'elle laisse mon nom tranquille. Et en plus encore, je vois toi Gabriel là, le petit frère de Compressor. Je demande que quand Compressor fait ses directs, pourquoi vous êtes à côté d'elle en fait? Comment tu as ma reine de beaucoup, ma BS à moi, la seule BS. Non, il y a Kenzi Dika. Eh pardon, il y a Mila. Pardon, il y a Gilet Zombie. Il y a ma Clarisse Lydienne. Elles sont d'abord comme ça, mes BS.
la reine des Boukou. Donc, je voulais dire justement que tu es au Cameroun là-bas, là. Tes amis sont obligés d'être avec toi. Tes amis sont, comment dire, ta famille est obligée d'être autour de toi. Ngossa. Il faut qu'on essaie un peu de rectifier ça. Parce que ça va déjà dans l'ironie, ça va déjà dans la bêtise, quoi. Dans les pet-pets. Ngossa, quand tu dis que, quand ta famille te dit autour, là, j'ai vu ça à la coupure. Parce que moi, je te regarde pas. Sincèrement, je te regarde pas. Moi, je m'en vais au boulot. Quand j'ai un peu de temps, je fais le direct comme j'ai là. Parce que à 14h, voilà, dans 5 minutes, j'arrête. Parce que je dois aller me laver et aller au travail. J'ai fini à 20h. Donc, je voulais te dire que quand ta famille vient, comme j'ai suivi ça sur la coupure de Linda, ils disent que oui, comment tu demandes le code de tuerie alors que tu ne sais pas lire, alors que tu sais, on dit que tu ne sais pas lire écrire. Mais j'ai l'impression que parfois, nous on vient, on prêche le faux pour vous voulez prêcher le vrai. Je ne sais pas en fait. Quand on vous dit que Ngossa ne sait pas lire écrire, je ne sais pas pour vous c'est quoi en fait, n'est pas lire écrire en fait. Ngossa, regarde les images. Ngossa, c'est basé. Pourquoi ne lit pas vos noms? Pourquoi ne lit pas ce que vous écrivez en fait? Mais pourquoi vous voulez toujours, comme vous compliquez la vie, vous voulez toujours vous moquer des gens? Ngossa, comment dire? C'est comme, je ne sais pas comment. On a déjà dit le nom de sa maladie ici là. Aïe! Ouais, ma sucre salée a fini. Ma reine de Boukou, tu vois alors? Ma reine de Boukou, tu vois ce que ma sucre salée me fait? Tu vois alors? Maman, elle dit qu'elle est ma sucre salée. Si ma Kenzie dit qu'avant, alors dit quoi? Aïe, amour. Donc, c'était justement parce que quand je vois que dans la coupure de Linda Monoré, Gabriel, ton petit frère, dit que, mais comment tu vas avoir le code de tuerie alors que tu dis que tu, alors qu'on dit que tu ne sais pas lire, alors qu'on dit que quand tu t'habitues avec les gens, tu maîtrises le nom, tu maîtrises beaucoup de choses. Alors, ma Diana, alors. Ça veut dire qu'elle ne me cherche pas. Sinon, elle va me clasher. Donc, quand tes gens disent ça, quand tes gens disent ça, c'est bête quoi en fait. Ngossa, on n'a pas dit que tu ne sais pas lire en tant que tel. Mais en gros, tu ne sais pas lire. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. C'est qu'est-ce que tu ne peux pas lire une phrase. J'ai beau expliquer que tu es comme une aveugle. Je me moque pas des aveugles. Ngossa, tu es comme une aveugle qui s'habitue avec, comment dire, comment tu vas, ma Diane? Ngossa, tu es comme une aveugle. J'ai beau expliquer ça, comme vous, pour vous, on est les déclateurs de Ngossa. Vous ne voulez pas que ça ancre dans vos oreilles. Vous faites genre exprès, quoi. Et ça, j'ai horreur de ça. J'aime pas me répéter. Ngossa ne sait pas lire écrit, c'est un fait. Alors, Mackenzie Dika, Ngossa ne sait pas lire, merci, ma Diane. Ngossa ne sait pas lire écrit. Ngossa est comme une aveugle. Vous savez, quand l'aveugle est dans une maison, on cadre les choses pour l'aveugle, en fait. On lui met ça, la chaise ici, on met la chaise là, on met la télé là, on lui apprend comment prendre le métro, on lui apprend comment prendre ceci, on lui apprend plein de choses. Vous voyez même parfois les aveugles. C'est comme si vous me demandez que, donc les aveugles ne prennent pas le métro. Les aveugles prennent le métro? Eh, ma Leslie, le stade est là, ma Leslie d'amour. Eh, hey, hey, ma Leslie d'amour. Oh, oh, ma Leslie. C'est alors comme ça qu'elle fait. Alors, ils attendent la course sur vous. Alors, on va vous bloquer là-bas hier. Ma Rosa Bella dit que. Pardon, le prof. Ma Rosa Bella dit le prof. Puis mon nom. On va encore me bloquer. Donc, c'est ça que je vous disais justement que. Je t'avais dit justement que. Ngossa ne sait pas lire écrit. C'est un fait. Ce n'est pas un débat. Donc, c'est comme un aveugle. Vous avez dit que non, les aveugles ne prennent pas le métro. Les aveugles prennent bien le métro. Les aveugles partent au marché. Les aveugles font plein de choses. Plein de choses. Donc, c'est comme si vous. C'est la même question que vous posez en fait. Voilà Ngossa qui sait lire, non? Voilà Ngossa qui prononce mon nom, non? Voilà Ngossa qui sait faire ceci. C'est comme si vous me dites qu'un aveugle ne fout rien. C'est comme si vous me dites qu'un aveugle ne fout rien. Un aveugle, il suffit seulement que tu lui mettes. Voilà le savon. Voilà ceci. Il sait que voilà le savon à cette place. Voilà ceci à cette place. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas en fait? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Demandez à ce moment-là, là, comme Ngossa, comme toi, Gabriel, moi je prononce ton nom, Gabi est ta femme. En ce moment-là, devant vous, on est en train de, comme ma Diane a dit, me voici vraie victime des blocages. Voilà Diane qui est en train de dire. Demandez en ce moment-là à Ngossa de lire devant vous. Gabi et ta femme. Le moment que Ngossa a en direct, demandez à Ngossa de lire ce qui est devant elle alors en ce moment-là. Pourquoi vous voulez nous prendre pour des idiots? C'est comme si nous on raconte les pépettes, enfin alors qu'on ne raconte pas les pépettes. On dit ce qui est.
Ngoza a besoin de gens. Eric Laura a besoin de gens toute sa vie. Ngoza, depuis que vous parlez à Ngoza, là, que va à l'école, retourne à l'école, fais comme ça, elle ne fait rien. Mais c'est le même français là que je parle, Olga. Est-ce qu'elle a le permis? Elle n'a pas le permis, Olga. Depuis que je demande à Ngoza de me montrer son permis de conduire, tu as vu son permis de conduire, Olga? C'est ce que je vous pose la question, que est-ce que les aveugles ne prennent pas, ne prennent pas de métro? Les aveugles prennent le métro? Ngoza fait le même chemin tous les jours, je sais pas, je vous prends l'exemple avec un aveugle. Pourquoi vous faites comme si vous ne voulez pas comprendre? Je vous prends l'exemple avec un, je me moque pas des aveugles, je vous prends l'exemple que c'est, elle est comme un aveugle. Bon sang, elle est comme un aveugle. Ngoza, même avec la voiture, elle parle à prendre le même chemin, le même chemin. Enlevez le GPS à Ngoza, ça s'en sort. Bon sang, enlevez le GPS à Ngoza. Si Ngoza, ça lit les panneaux. Demandez à Ngoza que je donne un itinéraire d'y aller sans GPS. Je vous en supplie. Demandez à Ngoza d'aller quelque part sans GPS. On va voir si elle va s'en sortir. On va voir si elle va s'en sortir tout simplement. Pourquoi vous voulez toujours que les mêmes questions reviennent? Les mêmes questions reviennent. C'est comme si vous demandez à un aveugle que, donc tu as dit que l'aveugle ne chie pas. Donc tu as dit que, mais oui, non seulement le GPS ça parle et ça montre la route. Et c'est en gros, même elle a quand même, elle a les yeux pour voir. Puisqu'elle a fait le waka pendant des années. Elle a quand même fait la putainerie pendant des années. Donc elle voit quand même, qu'est-ce que vous voulez dire? Elle s'est dit les euros, non? Elle connaît que on m'a gaspillé 50 euros, non? Elle connaît dit ce qu'on faut bien, non? Ah, c'est même pas votre problème. Pourquoi faut que tu vous répète la même chose, la même chose, la même chose, la même chose? Angèle, hein? Est-ce que moi j'ai la voiture? Mais tu veux... Attends, je vais te bloquer parce que ça veut dire que tu ne me suis pas. Attends, je te bloque. Attends, je te bloque. Voilà. Oh, voilà. Banni. Au revoir en même temps. J'ai horreur de pépette. J'ai à manquer plusieurs fois mes voitures ici-là. J'ai à manquer mes deux voitures ici-là. Hein? Il y a des gens comme ça, là. Vous venez chuter sur les... Je veux dire que vous qui chutez, là. Vous qui êtes bêtes, là, comme les idiotes, là. J'ai horreur de ça. Comment tu vas, ma Gaëlle? Merci pour tes cœurs, ma Gaëlle. Maintenant, je veux dire que vous qui chutez, là, qui venez sur ce genre-là, j'ai apposté mes deux voitures ici plusieurs fois. C'est pour ça que vous dites que les gens qui me suivent le savent. D'où vous ne voyez pas les questions bêtes. Les gens qui me suivent le savent. J'ai manqué deux voitures sur Volkswagen ici là et j'ai manqué l'autre voiture, la Toyota ici là. Et j'ai manqué comment je conduis les deux voitures. Pour le moment, ils sont en train de construire. Pour le moment, ils sont en train de faire deux immeubles. D'où j'ai revendu la voiture. Je me concentre maintenant dans mes immeubles. La voiture, c'est quoi? Tu me poses une question bête. Ça veut dire que tu viens de commencer ou tu viens de défendre encore Ngoza. Quand tu vois les gens qui écrivent à défendre Ngoza, vous faites ça comment? Vous ratez souvent vos chemins, mais c'est comment? Naya? Est-ce que toi, tu as une voiture? Quelqu'un n'a pas de permis. On demande depuis qu'elle veut montrer ton permis. Elle est là, elle tourne en bourrique. On dit que quand elle fonctionne, elle fait les mêmes routes. C'est normal. Je vous pense seulement exemple pour que vous puissiez comprendre, pour que ce soit plus facile pour vous. Elle est comme un aveugle. Vous ne comprenez pas. Elle est comme un aveugle. Si vous connaissez comment fonctionnent les aveugles, vous allez comprendre facilement Ngoza. Et vous allez arrêter de poser des questions bêtes. Donc vous voulez dire que nous on manque. À ce moment-là, mettez-le à l'épreuve. Appelez Ngoza à plein direct. Demande que je viens de t'écrire là. Dis-moi ce que j'ai écrit. Pourquoi vous ne voulez pas faire ça? Pourquoi vous ne voulez pas mettre Ngoza à l'épreuve? Mettez Ngoza à l'épreuve. On quitte sur ça et ça ne chauffe pas. Je wanda même à Diana, jusqu'à me poser la question si j'ai une voiture. Avec 2000 euros, tu as une voiture, mais avec 500 euros, tu as une voiture. Ça dépend quel type de voiture tu veux. Il y a des voitures à partir de 500 euros en montant. Va dans le bon coin. Tu as dû me poser la question que j'ai une voiture. Je vais laisser mes immeubles pour acheter une voiture. Ça me servait à quoi? Alors que le métro en bas de chez moi ici. Je suis à 2 minutes du métro. Demandez à Ngoza, elle connaît. Je suis à 2 minutes du métro. Je vais faire quoi? J'ai tout ici à proximité. J'ai besoin d'une voiture pour faire quoi? C'est parce qu'elle sortait auparavant, elle sortait beaucoup, que j'avais besoin d'une voiture. Maintenant, c'est plus une nécessité. Mais mon mari est maintenant là, on est en train de programmer pour acheter une autre voiture. Et ça serait même beaucoup plus utile à lui parce que lui, il va aller au travail avec ça. Mais moi, c'est pas utile puisque le métro en bas de chez moi. Et mon travail, c'est le métro. Je ne prends pas de RER. De RER. Donc, du coup, je ne souffre de rien. Donc, c'est ce que je voulais dire justement. Donc, je vais vous laisser. Je voulais tout simplement dire à Ngoza que les gens qui ont peur là que ouais, Ndolo Moulema, Ngoza t'envoie les appels de balles, c'est monté, c'est descendu. Dites à Ngoza que je ne suis pas intéressé et ça ne m'intéresse pas. Et Ngoza, si je continue dans cette lancée là,
Moi, je vais encore venir me poser sur toi. Parce que là, les TKO ne sont pas en train de voir comment tu es en train de faire. Les TKO, ils vont dire que oui, elle est de, comment dire, pourquoi tu as insulté Ngossa alors qu'elle voulait la réconciliation. Demandez à Ngossa de laisser mon nom tranquille. Moi, voici qui suis en paix tout le moment avec elle. Je ne lui prononce pas. Quand elle, si elle continue à ces petits pics-là, ces petits nyama-nyama, ces petits machins-là, moi, je reviens sur elle, ça ne chauffe pas. Je veux dire que Ngossa, c'est mon combat ici-là. Pour le moment, je suis sur Ndale. Je suis sur Ndale. Emile Ndale. Ce sont elles que moi je suis. Si vous voulez me détourner pour que j'aille répondre à Ngossa, ce n'est pas mon problème. Mais Ngossa, ma mère a dit que donne rendez-vous au Cameroun, elle te retrouve. Ngossa, donne rendez-vous à ma mère, te retrouve. Et moi, je te dis que quand tu es ici à Paris, là, viens, ma, tu me dis que je suis telle adresse. Je t'assure que tes réconciliations, que tu parles à la con, là, c'est ton problème. Moi, je ne suis pas dans tes conneries, là. Tu peux venir me mettre bas que t'es. Où on m'insulte, on me manque de respect sur Facebook, n'importe comment, n'importe où, alors qu'on a vu ce que j'ai fait avec cet argent-là. Chose que toi, tu as faite, on n'a rien vu de ça. Donc, va te faire foutre, Ngossa. Mets ça où je pense. Donc, va avec tes petits pics-là, tes petits intrigues-là, comme tu as l'habitude. Comment tu vas ré, Elsa? Donc, je vais vous laisser, je vais aller me laver, dans ma prêter pour aller au travail. Sur ce, je vous laisse. Donc, ce que je voulais dire à Ngossa, dépose mon nom tranquille. Même dans la blague, je ne suis pas dans la blague, je ne suis pas là, tu pètes là. Moi, parce que je suis tranquille. Les TKO ont demandé à Ngossa de laisser mon nom. Parce qu'avant que je suis revenu sur elle, vous allez encore faire des caricatures, vous allez encore me caricaturer, vous allez encore m'insulter, de faux biais, de ceci, de cela. Voilà Ngossa qui passe au temps à prononcer mon nom, tout ça justifié. Même dans le bien, je ne veux pas qu'elle prononce mon nom. Si elle sait que je l'ai aidé un jour, si elle sait que je fais quelque chose pour elle, qu'elle laisse mon nom tranquille. Moi aussi, j'avertis. Moi aussi, je suis calme dans mon coin. Apparemment, elle n'aime pas qu'elle soit calme. Elle n'aime pas. Voilà. Perpétue, j'ai dit que tu as double identité. Ton nom Perpétue Maléba, ce n'est pas ton nom. Comme tu es au Cameroun là. Maléba Perpétue, ce n'est pas ton nom. Tu as usurpé ce nom là. L'enquête n'est pas encore finie. Hein. Dites-moi que tu dis que je n'ai pas la nouveauté sur toi. Je suis moi calme. Quand je n'ai pas la nouveauté sur toi, je suis moi calme. Et arrêtez de venir dire que, oh, comment une chérie, vous avez dit qu'elle est avec chérie. Moi, je suis fatigué de me justifier par rapport à ça. Vous avez même, vous mettez soit vos oreilles même ou même. Donc, pour vous, le jour que vous voyez un gosse avec chérie, oh, tout va bien. Là, voilà, non. Là, voilà qu'il y avait chérie, non. Là, voilà qu'il y avait chérie. Là, voilà qu'il y avait chérie. Vous avez dit que, oh. Oh, elle n'a pas l'argent. Pourquoi elle a quoi avec chérie? Vous avez dit qu'elle n'a pas l'argent. Pourquoi vous posez autant de questions, vous torturez autant? Pourquoi? Donc le jour qu'elle apparaît là, vous adhérez. Et le jour qu'elle apparaît, pourtant je suis là, dans le moulema. Je passe mon temps à lancer le challenge. Je passe mon temps à lancer le défi à Ngossa. Ngossa ne relève aucun défi. Je dis à Ngossa que va ouvrir la porte de tuerie si tu es une femme. Puisque vous avez dit que Ngossa allait passer toutes ses affaires là-bas, elle est maintenant chez elle. Vous ne comprenez pas. Allez dans son TikTok, elle dort tous les soirs seule. Les mains de tuerie sont où d'habitude quand elle met les mains de tuerie? D'habitude quand elle fait certains gestes, dès qu'une fois qu'elle avait tuerie, pour vous voir, vous effacez tout ce que j'ai dit. Vous effacez tout ce que j'ai dit. Et tous les défis que je lance en Ngossa, Ngossa n'a encore relevé aucun défi. Manquez son permis de conduire. Manquez qu'elle aille ouvrir encore la porte de tuerie. Manquez, j'ai fait plein de choses. Ngossa n'a même pas respecté un seul truc. T'as arrêté de soi me fatiguer. Arrêtez franchement. Quand vous avez dit qu'un gosse allait vendre le terrain, elle est venue de la tuerie. Tuerie a mangé tout cet argent-là. Ce n'est pas un fait. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. Maintenant, tuerie est revenue encore. Comment dire? Là, voilà qu'il y a encore le vendre le reste du terrain encore. Qu'il y a encore le vendre le reste du terrain. Là, voilà qu'il refait encore la même chose. Cette fois, c'était sûr que tuerie là, c'était pour qu'ils aillent se marier et tout. Vous êtes toujours là, que quand vous venez vous dire les vraies infos, dès qu'elle vient elle vous chamboule le cerveau, elle vous embrouille. Le problème, c'est que les faits sont là. Hein? Il avait dit que je n'aurais pu l'afficher. Il a dit que je n'aurais pu faire ceci. Il a dit que je n'aurais pu faire cela. Mais vous voyez, donc c'est nous qui mentons alors. Pourtant les faits sont là. Donc il y a un moment, arrêtez. Arrêtez un peu de nous parler comme si nous ne réfléchissons pas. Exactement, ma Diana. Elle joue avec eux. Ok, ma Rosa. Donc je vous laisse. Elle joue dans leur tête. Et grave. Elle joue dans leur tête, ma Diana. Elle joue vraiment dans leur tête. C'est comme si nous on s'est fait passer pour des menteuses. C'est comme si moi, quand les infos que je ramène, par contre, quand elle ramène les infos sur moi, là, vous croyez, vous m'insultez avec ça partout. Mais quand moi, je ramène les infos sur Ngossa, c'est que je mens.
Et quand vous vous retournez au cerveau, comme Diane Ankele dit, elle vous retourne au cerveau, elle vous monte. Là, elle dit la vérité. Vous ne trouvez pas que vous êtes malhonnête? Vous ne trouvez pas que vous êtes malhonnête? Dès que vous la voyez une seule fois avec Thierry, ça y est, vous mettez toutes nos informations en porte-à-faux. Et c'est nous qui devons des menteurs. Jusqu'à deux que vous êtes égaré dans mes directs. Oh, tu avais dit ci, tu avais dit ça. Et quand je les bloque, ils viennent pleurer. Comment tu vas, Yvonne? Yvonne, je suis en train de partir. Sur ce, je vous laisse. Là, elle m'a prêté pour aller au travail. Je vous aime, je vous adore. Je vous laisse. Bisous, bisous. Ciao, ciao.